Salut, c'est ton chat de mille, j'espère que tu vas bien, je pense que tu vas bien. C'est un 28 août que je vous parle, ça fait un bout qu'on n'a pas parlé, ça fait quelques heures, ça fait quelques minutes. Quand tu crées autant de contenant que moi je crée, c'est quand même weird. Aujourd'hui, on va tester quelque chose qu'on a testé hier, en fait. Hier, on a testé, c'est pas la même chose, mais c'est le même produit. On a testé quelque chose que j'ai découvert il y a à peu près un mois. J'ai fait des vidéos en français, fait ça, c'est encore une fois en anglais. Encore une fois. Mise à jour, mise à pointe, avertissement. J'ai déjà goûté ça. La vidéo que j'ai faite en anglais, je l'ai dit hier, le truc c'est on fait une vidéo en français, on fait une vidéo en anglais, on fait une vidéo en français, on fait une vidéo 60 secondes. Deuxième vidéo, on goûte au candy can qui techniquement c'est du. C'est quand même cool, c'est comme. Je dirais que c'est plus similaire à du Pepsi. C'est beaucoup, beaucoup de sucre. Beaucoup de ceux qui disent zéro sucre, mon cul, il y a plein de sucre là-dedans, mon homme. Mais qu'est-ce que c'est techniquement là? C'est des boissons, des soft drinks, des boissons gazéfiées qui vont recréer des goûts. Hier, on a goûté à gâteau anniversaire. Aujourd'hui, on goûte à sucette glacée roquette. Qu'est-ce que j'adore, encore une fois, c'est le marketing. Je trouve la canne est super belle. C'est cher, par exemple. 330 ml, ça m'a coûté 4$. C'est quand même très très cher, mais c'est pour une vidéo, fait que ça me dérange moins. Si je créerais pas du contenu, jamais je checkerais ça. Encore une fois, c'est des produits que je maintiens à dire que c'est plus pour l'expérience, c'est plus comme un icebreaker. C'est plus cool que quelque chose que je boirais chaque jour. Mais sans plus attendre, on a le candy can. Mange-le pas, bois-le. Ça c'est le slogan. J'ai vraiment hâte. J'ai bu ça une fois dans ma vie. J'ai fait une vidéo avec. Le gars, il se mange les ongles, tu sais. Fait que sans plus attendre, Nastrovia, comme les Russes disent, l'odeur est vraiment bonne. C'est bizarre. Hier, l'odeur, ça goûtait vraiment. Ça sentait vraiment, je m'excuse, le gâteau. Je dis, ok, kind of cool, c'est cool, ça, c'est vraiment le fun, ça. Maintenant, le goût qu'on a présentement, c'est quand même assez spécial. L'odeur qu'on a vraiment assez spécial, c'est à la fois citronné, mais il y a quand même une odeur de. Ah, des Mr. Freeze. C'est ce québécois en maudit, là. Il y a des odeurs de Mr. Freeze. Ça va faire le Mr. Freeze. Ce qui est un compliment, techniquement. Et je suis pas habitué sans moustache, fait que le reste de mon corps, je prends plus attention, tu sais. Ok? Ok. Le positif? Ça sort du frigo. C'est quand même très très bon, c'est très froid, il fait quand même chaud aujourd'hui. Je sais que je porte un hoodie, mais il y a quelques minutes je ferai une douche. Fait que ça c'est oh shit, Chartor, let's go. Question goût, je vais la tête avec vous autres, c'est pas super. Ça goûterait le Mr. Freeze, encore une fois, je sais pas pourquoi, je pense que je suis plus haut, j'ai plus haut odorat qu'un sens du côté. Regarde-moi le pif, ça prend du sens. Mais non, mais sincèrement, c'est quand même bon, il y a quand même un très très bon goût citronné. C'est le fun. Assez unique. Non, c'est vraiment bon, sincèrement. Qu'est-ce qui me dérange ici? C'est que oui, c'est bon. Mais qu'est-ce qui me dérange pas mal? C'est que c'est beaucoup plus. C'est pas assez goûteux pour que je dise que c'est un lollipop. C'est pas assez. Ça goûte pas assez de la crème glacée pour que je dise que c'est la crème glacée. Fait que t'as deux essais puis deux essais ensemble, ça fait pas une réussite. Fait que je trouve ça correct, je trouve ça cool, je trouve ça différent, je trouve ça original, c'est une belle expérience. Que je boirais ça encore, pas vraiment. C'est pas que c'est mauvais, mais juste hier, le gâteau d'anniversaire était meilleur. Fait que si je serais pour goûter la même chose, les mêmes candy cannes, je serais un gâteau d'anniversaire. Juste comme ça, je sais rien. Goûtez-le vous-même, faites-vous plaisir, profitez. En tout cas, je vous aime, passez une belle soirée, ciao.